egy versenyszám van hátra Párizsi Gyémánt Liga Viadal 2015. évi állomásáról, az pedig a férfi 100 méter. És bár van két jamaikai a mezőnyben, azt hiszem, hogy nem mehetünk el. Voilà, Kim Collins, coureur numéro 2 à 39 ans, champion du monde en 2003 ici. Et 45 000 spectateurs derrière Jimmy Vico, couloir numéro 3. On espère que le genou droit et cette petite douleur est oubliée depuis Birmingham, début juin. Il est tombé sous les 10 secondes en 9,98 à Rome. Et il va falloir qu'il aille très vite pour suivre sans doute Afasta, Asafa Powell. 86 fois dans sa carrière, Jean, sous les 10 secondes. 7. Ah, il a eu du mal à sortir des blocs. Il a eu du mal à sortir des blocs, Jimmy Vico, à la différence d'Asafa Powell. Mais maintenant, il faut attraper la locomotive. Il le suit, Asafa Powell, et il l'accompagne. 9,80 pour Powell. Et quel va être le chrono de Vico? Quel va être le chrono de Vico derrière ces 9,81? Eh bien, on va regarder attentivement parce qu'il y a un record de France en jeu, là, à mon avis. Oh, 9,92 de le mettre. Quel chrono, quel magnifique chrono pour Asafa Powell. 9,86! 9,86 pour Jimmy Vico. 9,86, record de France. Record de France, incroyable. A suivi la locomotive. Bravo Jimmy, 9,86, quel chrono, mais quel chrono. Un bon départ et une excellente mise en action. Et derrière, il sait faire, il est détendu, il est relâché. Et ça avance, et ça avance. Et il ne s'est pas contracté justement dans le fait d'être en contact avec Powell qui va très fort devant. Incroyable chrono, 9,86. Le départ de Powell qui est magnifique et Jimmy un tout petit peu en retrait dans le temps de réaction, mais après derrière la mise en action est parfaite. Powell fait une excellente mise en action aussi. Là ils tous les deux ouvrent leur foulée et c'est vraiment magique. Ils laissent sur place tous les autres parce que l'attitude elle est parfaite. Oh, quelle course, quelle impression de puissance. Ah ouais, avec Collins et puis derrière il prend 3 mètres sur Kim Collins dans les 40 derniers mètres. Powell part très très bien. Quel gros départ d'Asafa Powell. Temps de réaction qui va parfait hein, pour Jimmy, mais derrière c'est vraiment super. Non, mais voilà, il avait 4 ans le record de France de Christophe Lemaître. Eh bien, il est tombé, ce record de France. On a vu le souhait de Christophe Lemaître qui récupérait une médaille de bronze avec le 4x100. Et là, regardez Jimmy Vico, regardez ce travelling qui accompagne le nouveau record de France. J'ai gagné le record d'Europe. Ce que je voulais faire, ça, c'était faire ça à Pékin. Mais là, le faire maintenant, c'est excellent, quoi. Ça ira encore plus vite à Pékin. Vous le disiez depuis des années que vous aviez ça dans les jambes, que vous étiez capable d'aller très très vite. Vous le saviez finalement, que vous étiez capable d'avoir un tel niveau?